Ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, laisse-toi, monsieur, courir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Et dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent de ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En sa cause, ils ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils ont creusé pour monter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Alléluia, tous mes autres iront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux le plus fort que lui, le malheureux le pauvre de celui qui le dépouille. Les faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand j'étais malade, je me faisais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour l'humeur d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent dans mon essieu pour me contrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites dans mon cœur, ils restent un contre moi, Seigneur, quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.
Que ceux qui sont à toi, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent le langage qui n'est moins celui de la paix. Ils m'étudent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Alléluia, contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, ah, nos yeux regardent l'Éternel, tu me vois, ne reste pas en silence. Seigneur, que tu n'auras pas de moi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, qui ne se réjouissent pas à mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qui ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur et qui revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel qui veut la paix, de son serviteur et ma langue célébrera ta justice et dira tous les jours ta louange. Amen. Parole du Seigneur. Somme. Saint Dieu de ma louange. Ne t'étais point un carizou contre moi, une bouche méchante et trompeuse, il me parle avec une langue mensongère, il m'environne de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Lorsque sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain, mais ne leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne à la génération future et que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Et la malédiction qu'il entend sur lui, il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revêt la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir de ceinture dont il soit toujours saint. Qu'elle soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, l'Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Et lui faut moi, je suis malheureux, indigent, et mon cœur est blessé, pardonne-moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, et je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, mon cœur est épuisé de maigreur, je suis boueux, un objet de poids, du me regarde, je secoue la tête. Secoue-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'il maudit, si tu crois, tu béniras, s'il se lève, ils seront confus. Et ton serviteur sérieux qui jouira, et que les adversaires revêtent l'ignominie qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le saignerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Parole du Seigneur. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enferma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il m'exauce. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que tu donnes, que te rapporte une langue trompeuse. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du jumet. Malheureux que je suis de séjourner à mes siècles d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Et en haut, éternel, notre Dieu, notre gloire, notre bon Père Céleste, couper encore en puissance, encore dans le sac. Nous disons merci à l'esprit encore, la bonté nous, pour dire assistez-nous, la bonté nous, nous faisons grâce, la bonté nous, nous votons, nous faisons par la bonne encore, à ce moment-là, Seigneur Dieu. Alléluia, nous avons crié, mais j'en salue, nous sommes dit, mais comment vous voulez, à l'éternel, tout ce bien fait envers moi, qui s'appelle à l'éternel, pour tout bien fait mieux envers moi. Encore, alléluia, on vient à ce qu'on va témoigner dans le monde, on vient à ce qu'on va contre délivrance, on vient à dire merci, on vient à dire alléluia, on encore, alléluia, exalté dans nous, alléluia, nous sommes grands dieux, nous sommes bons dieux, alléluia, nous sommes dieux vivants, nous sommes dieux puissants, nous sommes dieux grands, nous sommes dieux merveilleux, alléluia, on va en ombre de changement, on va en ombre de variation, la caillou, pour délivrer à merveille, nous sauver à merveille, nous faire grâce à merveille. Alléluia, oh yes, alléluia, qui est un Dieu qui t'encourt, alléluia, tout le Dieu, nation, nous, c'est si dans le lieu, mais au même, au Christ, là, au Christ, terre, à soi, à Seigneur Dieu. Nous remercions encore pour ce privilège. Nous avons fini encore dans ce lieu. Nous sommes encore sur la terre des vivants, nous avons marché, nous avons déplacé. Ou alors, son grâce spéciale, Seigneur Dieu. En dépit de péché, nous, en dépit de nous, avec mon autant que Seigneur, pas vivre devant nous, sous-vivre devant nous, la même jamais sous l'homme, la même jamais coubord, mais la plus Seigneur Dieu, si on tue une grâce, on veut compassion, Dieu, si on répétit par la route de Jérémie, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et on est venu chaque matin, avec mon autant de compassion, dans l'immense monde, va renouveler les bons dieux envers nous, va renouveler les compassions envers nous, Seigneur Dieu, et va avoir l'opportunité, alléluia, nous allons vivre pour nous-mêmes et pour nous-mêmes. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant, tu es digne exalté, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être encore glorifié. Nous glorifions pour sa vie, nous glorifions pour son fait. Nous glorifions, Seigneur Dieu, pour les multiples grâces, Seigneur Dieu, pour faire, pour nous, pour nous, nous glorifions, alléluia, pour encore la guérison, nous maintenons, nous glorifions, Seigneur Dieu, alléluia, pour toucher, Seigneur Dieu. Nous glorifions, parce que nous pas quitter encore le virus du coronavirus, la pandémie était pour nous aller avec nous, dans encore dans la terre de l'oubli, dans le séjour des morts. Alléluia, mais encore fini, ça t'est frappé vraiment. Mais encore qu'il est venu sur la terre et vous va pendant qu'il y a un pile, vous voyagez pour l'éternité. Même devant, on commence à Seigneur Dieu, la demande de temps pour lui. On va encore répondre Christ, non. On va répondre Christ selon puissance, on va répondre Christ selon pouvoir, on va répondre Christ selon compassion, selon l'immense manteau. Mais il va avoir une opportunité, on va témoigner devant une opportunité, on va dire comment on dort, comment on puissant, comment on capable, comment on parle, comment on agit. Oui, Seigneur Dieu, tu es grand, oui, tu es puissant. Alléluia, mais ça là, non, mais Seigneur Dieu, que tu as la capable de remplir de ta présence, que ça la capable de remplir, encore alléluia, plus encore de ton Saint-Esprit, permet que encore alléluia, chaque mot qui est déjà entré, là, Seigneur Dieu, capable encore, Seigneur Dieu, encore bien en relation ensemble avec eux. Une relation encore, alléluia, encore étroite, Seigneur Dieu, entre nous et avant, pour que tu es capable de parler, capable de révéler, à soi, Seigneur Dieu, ça fait longtemps que tu m'as dit, ça fait longtemps que encore que tu n'as pas parlé, alléluia, quand nous sommes dans un désert, quand nous sommes, alléluia, en vie, on connaît, Seigneur Dieu, dans la lumière, et encore, Seigneur Dieu, nous trouvons encore une situation, Seigneur Dieu, du silence, un long silence, un silence du tambour. Un silence qui habite sur mon seul Seigneur Dieu, qui va encore retirer dans ce silence, car nous pas dit rien, Seigneur Dieu. Alléluia, si on a dit JBS, non, sur mon seul, qui t'a fait nous traverser ce désert, et en tout cas, tu gardes le silence, qui côté nous avons fait, nous pas parlé. Soyez à Seigneur Dieu, avec moi de temps pour lui. On va écouter rêve, on va écouter quoi, nous entendons des crimes, à soyez à Seigneur Dieu. Dans les crimes, Seigneur Dieu, d'accord pour bêtise, pour que nous puissions assembler. En écrit encore, songez pour tout sortir avec nous, d'a commencé avec nous. Et puis encore dans la petite, encore salade, dans ta tête épuisée, ou pas de la guénon, ou pas de la guénon. Encore dans le fait, dans le appartement, dans le fait, ou pas de la guénon, ou pas de la guénon, dans la salle de classe là, ou pas
blagué, nous, alléluia. Il souffre la corde, il pas blagué, il souffre 74. Pour pas blagué, depuis le commencement, c'est pas qu'on y a encore fort à faire pour un peu capable de blaguer, non. C'est pour ça qu'on a demandé autant de bruit. Souviens-toi, tu as l'habitude de nous visiter ici, Seigneur Dieu. Tout ça t'a encore passé, pourquoi pas nous visite. Mais ça fait longtemps, Seigneur Dieu, on va tenter de voir, on va tenter de lui pire, on va pas passer, on va en dire, on est lourd, est-ce qu'il va encore, est-ce qu'on vient devant nous, est-ce qu'il y a encore Seigneur Dieu a abandonné nous, est-ce que nous pas encore, nous va bien encore, est-ce que nous serons ennemis ensemble avant qu'on y a là, Seigneur Dieu, si nous ferons pareil qui mal, la demande de grâce, il nous faut pareil qui faut fâcher. La demande de grâce, Seigneur Dieu, mais t'en prie, pas quitter nous dans ce silence, pas quitter nous, alléluia, moi sans parler ça, Seigneur grand, Seigneur puissant, Seigneur capable, alléluia, alléluia, la dernière fois que nous habitons il y a quelques années, je suis là depuis que tu es encore passé près de nous pour nous visiter, et encore aujourd'hui, la demande de prix, mon Dieu, pour encore we need your presence. We need your voice. The voice used to talk to us. The voice used to hallelujah, to hallelujah, to tell us what to do, what we have to do, what we have to do wrong. Encore, we need you to come and correct us, hallelujah, to come passer, pour corriger de voix, nous corriger, nous disons ça qui fait plus bien, et ça qui pas bon. Mais quand on a la Seigneur Dieu nous vit dans un silence, un profond silence, la demande d'autant plus, Seigneur Dieu, on va encore assez, agir, on va agir, agir à mes fautes, agir à moi, c'est tendu, agir sur leur compassion, agir sur leur immense manteau, et par nos continuités, on va encore célébrer l'homme, on va célébrer les candeurs. Mais non, mais on sait grâce, voilà. On pourra encore, Seigneur Dieu, encore soirée ça, on peut toujours là, encore chaque soirée où. Alléluia, alléluia, Père, t'as besoin de t'en prier à soi encore, t'as besoin de nous faire passer, nous faire passer par ton côté, nous faire passer par visiter le Seigneur Dieu, visiter nos cabines, nous passer par côté Chantal, bien on est pas loin, visiter moi, t'as besoin de parler, passer par côté. Chantal Pierre Oulin, continuez à Seigneur Dieu. Alléluia. Oui, nous besoin, nous avons intervention pour lui-même, Seigneur des Seigneurs. Oui, nous besoin pour capable encore dire un mot pour lui. Oui, nous besoin encore, Seigneur Dieu, pour capable encore, Seigneur Dieu, passer, toucher lui, passer guérir. C'est sûr que le Seigneur est toujours guérir. Et quand la situation s'est déjà, alléluia, c'est vous-même la situation s'est et te conduire à, ou t'es toujours capable encore pour encore faire intervention, ou t'es guérir déjà, ou t'es encore qui fasse les jeunes, encore quand c'est ça, pour lui déjà, et Dieu encore t'es décrit, et tu vois, il a aucun jeune de cancer dans la vie libre, quand on a cancer, nous tournons encore, il caille encore, à côté de l'autre, il n'y a pas d'espoir, mais on dirait toute barrière, comme faible, les barrières vont passer, et tout espoir perdu, on toujours compris comme monde, alléluia, et encore comme le docteur par excellence, alléluia, comment tu comme c'est miracle, c'est tout a été perdu déjà pour Lazare, mais tu l'as ressuscité, et bon, quoi, encore toute cellule, tu es déjà gâté, ou de faire, Seigneur Dieu, nous avons besoin qu'on ait comme une cellule, dans Chantal Pierre Oulin qui est déjà encore gâté, alléluia, mais encore Seigneur Dieu, pour qu'on ait le pouvoir, pour qu'on ait encore Seigneur, restaurer, réparer par le nom puissant versé de Jésus. Oui, tu es grand, puissant, mais encore, alléluia, Isabelle, Jean-Charles, qui est l'hôpital avec l'intention depuis décembre, capitaine d'intervention, Seigneur Dieu, la demande d'autant plus, Seigneur, de va répondre, cri, Isabelle, Jean-Charles, selon puissance, ou, alléluia, on va encore contrôler tension, on va contrôler bébé à tout, afin qu'il y ait encore bébé à capable de sortir sans dommage, pas quitter tension, affecter que bébé, à pas quitter l'affecter que Isabelle, alléluia, maintenant pour faire sortir, encore Seigneur, sauf, et avec un bébé dans mes lits, pour la gloire de ton nom, de le vie devant, Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia, c'est Christophe, papa de encore, on va toucher peut-être la côte de Fabia, encore Seigneur Dieu, sur le encore Seigneur Dieu, qui est capable de guérir, le fait Christi, à Jean-Pierre, non, mais Seigneur Dieu, la demande d'autant pour va le toucher, la caille dans le poumon, le docteur Dieu, par exemple, qui médicament plus mal encore, mais on même aucun vrai médicament pour lui, Seigneur Dieu, la demande on va faire intervention, et mettre des médicaments par lui, nous le fait devant, encore c'est céleste, alléluia, le fait maman faire égalité, devant nous, le pargent, pour le chemin et des devants. Et tout d'autant, mon Seigneur Dieu, qu'on est l'issue, l'issue de encore capable de gémir, l'issue de capitaine d'intervention de la part de vous-même, Seigneur Dieu. Si vous-même, Seigneur, il n'y a pas de l'autre monde, ou alléluia, la demande d'autant pour
ou va répondre, oui, au Seigneur Dieu, ou va toucher selon puissance, ou va toucher selon pouvoir, ou va opportunité, ou va témoigner grandeur. Mais soirée, encore le phénomène, par le Seigneur, serviteur à côté, par de chaque monde, nous sommes tantôt bagaille, n'abandonne dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà Dieu, merci Seigneur. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Si vous êtes capable, c'est bon ici, tout d'abord, parce que nous avons un bilan. Si vous voulez, d'abord, c'est tout à l'heure, tu nous vends là, et gloire à Dieu. Après, lions l'autre somme encore, alléluia. Après, lions le somme 83, à la gloire de Dieu. Quand il dit ça, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'éteins pas et ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez d'ici, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne, que nous ne se souvienne plus du nom d'Israël. Qu'on ne se souvienne plus du nom de Bethesda. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'affaires. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les fils des habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Gison. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb, Ezib, Zeeb et tous les princes comme Zebash et Salmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, et qu'ils soient confus, épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent et qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Amen, 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 amen. Gloire à ton nom, gloire à Dieu, alléluia. Psaume 86. Encore, Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Alléluia, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour profondément. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi et tout d'homme violent en veulent à ma vie et ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur et que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Balancez-moi encore devant Dieu. Merci Seigneur. Gloire, alléluia. Psaume 88. Amen.
Éternel Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de beau, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force, je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus de souvenirs et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les profondes, dans les ténèbres, dans les abîmes, ta fureur s'appesantit sur moi. Et tu m'accablas de tous tes flots. Sois éloigné de moi, ami, tu m'as rendu pour un objet d'horreur, je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque en tous les jours, ô Éternel, je tends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-toi de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans la Bible de perdition, bien de la terre de l'oubli? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé et tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent en silence, me m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme les eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, ami et compagnon. Mes intimes ont disparu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Thank you.
Restaurer
notre cas de plus, est-ce que vous accordez pour ce privilège? Nous t'es capable encore là, Seigneur Dieu, à soi. La bien d'autant plus va encore. Revenez-nous à nous-mêmes personnellement, on va parler, Seigneur, à travers nous. Pour gloire, nom au Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, car je parle à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Comme toujours encore dans la vie de Moïse, toujours dans la théocratie là, la petite Dieu dans la vie de Moïse, quand il est ouest, et